Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette nouvelle session extraterrestre du dimanche 29 septembre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 39e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure sur Zoom. C'est à chaque fois un véritable plaisir pour moi de vous faire passer toutes les connaissances qui m'ont été transmises par mes contacts extraterrestres depuis le début de l'année 2016. Les présentations sur les lignées extraterrestres sont le fruit du travail que Zen et moi avons fait ensemble pendant des mois et de nombreuses heures chaque jour depuis le début de l'année 2017, un an après mes premiers contacts directs début 2016. Toutes les informations que je vous présente sont donc exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit, noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation en audio et par écrit que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube numéro 2023 trait d'union 115 et trouver d'autres informations dans mon livre Premier Contact. Pour être certaine de ne rien oublier et de ne pas me tromper, j'ai constitué un tableur qui est composé d'environ 2500 entrées. C'était un travail de titan, il faut le dire, mais je suis contente de l'avoir fait, puisqu'il me permet maintenant de vous faire passer ces informations, non grâce à ma mémoire, mais de manière concrète, des conversations que Zen et moi avons décidé de faire par écrit pour en conserver une trace et pour pouvoir les enregistrer. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Étortants. Ils occupent le siège numéro 12 au sein de la Fédération Galactique en compagnie des Andromédiens, siège 1, des Arcturiens, Diezli Antiplex, siège 2, les Pléiadiens de Tejet, Hera et Temer, siège 3, Procyon et Dakoté, siège 4, les Alphratiens du Centaure, siège 5, les Syriens, siège 6, les Vénusiens, siège 7, les Agartiens de l'Intraterre, siège 8, les Urma de la Rasphéline, siège 9, les Antariens d'Antares, siège 10, les Lyriens, siège 11, donc les Étortants, siège 12. Les Étortants sont originaires de M42, la constellation d'Orion, en particulier des systèmes stellaires Ori 58, Bételgeuse, et la planète Étor, qui se trouve à 643 années-lumière, c'est extrêmement loin. Bételgeuse est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, après Rigel. Les Étortants font partie de la très spécifique lignée des Gris, qui n'est pas la lignée des Reptiliens. Les Reptiliens ont leur propre lignée. Au sein de la lignée des Gris, il existe au moins 165 différentes races de grands gris, de petits gris et d'autres lignées. Ils ne sont pas tous d'origine reptilienne et ne sont pas tous régressifs. Les Étortants, malgré le fait qu'ils soient souvent présentés comme des créatures monstrueuses, sont proactifs et positifs et ne représentent pas une menace pour les terriens. Les Étortants sont des aides, des guérisseurs et des experts généticiens. Leur rôle est de transformer des planètes et de les ensemencer avec des plantes, des animaux et des espèces humanoïdes. Ce sont d'ailleurs eux, avec les Arcturiens, Diezli Antiplex, qui ont implanté les proto-humains sur Terre. Ils ne sont pas hostiles à l'homme, ils n'enlèvent pas d'humains, sauf s'ils extraient quelquefois leur propre starseed lorsqu'ils veulent entrer en contact physique ou pour les protéger.
Ils sont vraiment exceptionnels et extrêmement différents des terriens ou même des autres races extraterrestres de type humanoïde qui les trouvent très aliens par rapport à eux. Leur présence est si forte qu'ils peuvent être très effrayants et intimidants. Au sein de la Fédération galactique, ils ont quelquefois des frictions et des conflits avec les lignées très émotionnelles des humanoïdes célestes. D'un côté, les étortants évoluent comme des plantes, sans émotion et de manière logique, et de l'autre, certaines lignées d'humanoïdes célestes, avec des hyper-émotions, commencent à développer de l'incompréhension et de la méfiance envers les races les plus logiques, qu'elles soient andromédiennes ou étortanes.